mesdames, c'est pas la peine de monter au créneau, d'accord? Faites pas de créneau, on n'a pas de constat. Oui! Oui! Il y a quelques mecs qui sont là. Et putain, et couilles. Non, mais qu'est-ce que j'en ai marre qu'on me pose toujours la question, Jarry, est-ce que t'es féministe? Mais c'est comme si tu me posais la question, Jarry, est-ce que t'es bien élevée? Puis un petit détail, mais moi aussi, je vis avec un homme. Je sais exactement ce que vous verrez. Aujourd'hui, un gamin qui passe son temps à l'école primaire à mettre des crayons dans les fesses de ses camarades, on va te dire oui, mais bon, il a plus d'encre. Super spectacle, on a beaucoup rigolé et c'était bienveillant, joyeux, très bien. Bah, c'est émouvant, on est mort de rire et il y a beaucoup d'attention. Nom de Dieu, bon Dieu, 8h, il y a un lapin! On a ri du début à la fin, c'était de la bienveillance, de l'amour, du rire, c'était génial. Il y a un mec qui m'a regardé, il m'a dit hey, c'est toi le pété de la télé, je vais t'exploser les amygdales, je vais te démonter comme un Lego! D'habitude, je dis rien, là je me suis dit allez, on va faire du social. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci beaucoup Baudelaire, m'exploser les amygdales. C'est déjà t'arrives à me chatouiller la glotte.